Donc, bonjour tout le monde. Bonjour public en délire. Il est 16h. Nous sommes le mardi 20 juillet. Bienvenue à l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal et non pas régulière, Madame Therrien. Ici, c'est inscrit régulière. Ça aurait dû être inscrit extraordinaire. Donc, petit ordre du jour. Bien sûr, on fait le suivi sur les gestes qu'on a posés jeudi dernier. Donc, 2.1.1, constatation, période d'intervention. Et surtout l'adoption du règlement numéro 4001-2021-11 concernant la signalisation. Donc, ça prend quelqu'un qui propose cet ordre du jour volumineux, s'il vous plaît? Bien, je vais le proposer. Merci beaucoup. Période d'in... Ah, pardonnez-moi, c'est si court que j'essaie d'aller encore plus vite. Donc, évidemment, le conseil municipal a reçu l'avis de convocation et l'ordre du jour tel que prévu selon l'article de loi 323 de la loi sur les cités et villes. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous voulait intervenir préalablement à la séance, à la période d'intervention réservée aux élus? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public préalablement à notre prise de vote? Non, aucune question. En lien avec les sujets à l'ordre du jour? Non, aucune question, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Roque-Boissonneau. Donc, en point, c'est pas écrit sur mes papiers. Non, pas de question. 2.1.4, adoption du règlement numéro 4001-2021-11, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé. Ça concerne l'intersection de la côte Saint-Nicolas et de la rue La Montagne. Donc, j'en avais fait la lecture jeudi. Donc, trois interventions au niveau de la signalisation, des panneaux de manœuvre obligatoires. Donc, au coin de Côte-Saint-Nicolas, rue La Montagne, l'emplacement est sur la montagne, direction sud, obligation de tourner à droite ou à gauche. Donc, elle est bien installée sur notre territoire. Ensuite, Côte-Saint-Nicolas, rue La Montagne, sur la Côte-Saint-Nicolas ouest, obligation d'aller tout droit ou tourner à droite. Quand on va vers l'ouest. Et aussi, Côte-Saint-Nicolas, rue Langlois, donc une obligation d'aller tout droit à partir de Côte-Saint-Nicolas-Ouest. Est-ce que quelqu'un propose ces modifications-là? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a maintenant des questions réservées au public? Aucune question. Oh, donc, il n'y a pas de dilemme ici dans la salle. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Non plus. Donc, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance et nous retournons à nos activités. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Derèche. À bientôt, tout le monde. Et voici, notre réglementation est maintenant mise en place, donc il faut la respecter. C'est bien important. Et nous allons prendre bien soin aussi de faire respecter la signalisation sur notre territoire, dorénavant, principalement à cette intersection-ci. Donc, à bientôt, tout le monde. Merci beaucoup.